argenter mes cailloux sans les toucher. Je veux dire à mes pierres, tu chantes, s'il te plaît, tu chantes. Et ma pierre va chanter. Non, c'est pas vrai, c'est vrai. Ah, peut-être que si. Approchez-vous. Approchez-vous, je mords pas. Oh, on l'a vu ce matin. Ah, d'accord. S'il te plaît, tu chantes. Et qui nous chante. C'est-à-dire simplement la vibration de l'air peut faire mettre ce caillou qui fait 30 kilos en résonance et en vibration. Et quand j'ai découvert ça, j'ai dit. Mais c'est dangereux. Ça saoule. La musique, ça saoule. Un jour, j'ai un copain qui fait des prises de son. Il me dit, ouais, je voudrais enregistrer tes instruments. Je dis, bon, d'accord, tu viens, on m'a pris un rendez-vous. J'avais installé ça dans mon salon. Alors, c'est bien, j'ai pas de voisins. Hein. J'habite dans une ancienne école. En dessous, c'est une école. Le soir, il n'y a personne, donc tranquille. Et donc, il a fait l'enregistrement l'après-midi. Puis, le soir, j'avais rien à faire. Probablement rien d'intéressant à la télé, etc. Il me dit, oh, on va taper sur les cailloux. Et je commence. Et si vous voulez, ça saoule. On rentre dans un état de transe. La vibration, ça vibre dans la tête, ça vibre partout. Tout le moment, je dis, bon, elle est fatiguée, hein, allez au lit. J'ai commencé à 9h du soir, je me suis arrêté à 00h30. J'ai joué 3h30 sur ces silex sans me rendre compte des temps qui passent. Alors, c'est-à-dire que chez moi, j'ai 3 mètres de plafond, grande pièce, ça résonne bien, d'accord, et tout. C'était... Wow. Voilà, c'est un lithophone. Alors, on n'a pas de preuve évidente de l'utilisation de lithophone à bloc, mais mon copain là-bas qui taille du silex, Jérémy, chaque fois qu'il prend un bloc, on le sonne. Ouais. C'est-à-dire que si le bloc, il fait cloc, ben, c'est pas bon. Et là, il y a un problème. Il y a absolument au moins une cassure. Potentiellement, j'ai au moins un petit problème, sinon un gros problème qu'il est cassé de partout et que je peux rien en faire. Si le silex fait ting, ah, ça c'est bon. Et donc les hommes préhistoriques ont sonné les silex pour savoir. Et comme on sait pertinemment que les hommes préhistoriques faisaient de la musique, il n'y a qu'un tout petit pas à franchir pour s'imaginer qu'ils utilisaient aussi des pierres pour faire de la musique. Et on a trouvé en région parisienne à Étiole toute une série de lames, il y en a 9, de différentes tailles, l'une à côté des autres. Une supposition, c'était un lithophone à lames. Parce que des lames, comme fait Jérémy là-bas, ça sonne de façon superbe. Alors quand on va trouver ça, on peut se dire peut-être qu'ils ont servi de ça pour faire de la musique, mais on n'en a aucune preuve. Ça fait partie de la zone inconnue de l'iceberg, quoi.